Bonjour, je suis Maryse Priva, votre professeure de français. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un roman d'un auteur français que j'aime beaucoup, Jean-Louis Fournier. L'extrait que je vais lire aujourd'hui est extrait de Mon dernier cheveu noir. Je commence. J'ai atteint la limite d'âge et peut-être mes propres limites. J'ai quelques regrets. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire et que je ne ferai jamais. Je ne dirigerai jamais l'orchestre philharmonique de Vienne. Je ne serai jamais roi de Suède. Je ne serai jamais dompteur de tigres. Je ne piloterai jamais le Concorde. Je ne ferai jamais l'Olympia, même en première partie. Je ne serai jamais champion olympique. Je ne traverserai jamais l'Atlantique à la rame. Je ne serai jamais président des États-Unis. Je ne marcherai jamais sur la Lune. Je n'entrerai jamais à l'Académie française. Je ne gagnerai jamais le tournoi de Roland-Garros. Je ne serai jamais le mari de Julia Roberts. Je ne ferai jamais l'ascension de l'Everest. Je n'enregistrerai jamais toutes les sonates de Scarlatti. 555. Je ne serai jamais pape. Je ne peindrai jamais la Joconde. Je ne ferai jamais le double saut périlleux. Je ne danserai jamais le lac des cygnes Bolchoï. Finalement, je m'en fous.